Bonjour et bienvenue dans la meute. On va faire une nouvelle vidéo, 4 nouveaux mini-jeux. C'est parti. Hop, et on se rejoint dans l'arène pour le touche-touche. Chaque joueur se met à sa porte et aura à disponibilité un bâton recul niveau 50. C'est quand il est loup et il touche les gens avec ce bâton. Et donc chaque personne aura une potion de lenteur jetable et une potion de rapidité buvable. Et un seau de lait. Donc le loup a le bâton, il touche les personnes. À tout moment, qu'on soit loup ou bien la proie, on peut jeter la potion ou la boire. Et ça nous donne des effets négatifs ou positifs. Et pendant toute la partie, on a un seul seau de lait. Donc si on a un effet négatif, on peut boire ce seau de lait. Et ça nous permet de l'enlever. Le loup et Fantasio, tu vas nous laisser... La partie est en 3 minutes. Et tu nous laisses 10 secondes au début pour voir un peu le terrain, essayer de se cacher éventuellement. 3, 2, 1, top! Donc il y a plein de petites cachettes. Plus que 2 secondes. Et c'est parti! Attends, t'as dit c'est parti pour moi ou pour... Oui, oui, c'est parti pour toi. Ah là là. Donc si on se fait toucher, on retouche pas directement la personne, sinon c'est un peu triché. On attend un peu qu'il parte. Peut utiliser la potion de lenteur sur le loup si on a envie aussi, hein. Sur n'importe quel joueur. Fantasio, tu sais pas quoi faire? Non, ok. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Mais je pense que ça va être clair. Hein. Oh mais... Ah. Aïe. Oh putain. T'as fait mal, fini. Attention, j'arrive. Non, je pensais qu'elle était pas visible, ma cachette. Non, mais t'inquiète, elle est très bien. C'est raison, ouais. Non, j'aurais pu. Mais il m'a touché. Pourquoi? Mais pourquoi quelqu'un m'a tapé alors que je suis où? C'est pas normal. Je demande objection. Ouais. Excuse-moi, c'était un réflexe. Fini. Rêveur et moi gagnons un point. Ok, vous êtes prêts? Oui. Eh bien, vous avez 10 secondes
Et top, j'arrive. Mais non, c'est pas possible, j'ai encore lenteur du truc, je pense. Ah non, c'est bon, hein. C'est juste que je suis dans... Je vois qu'il y a des cachettes qui ont été trouvées. C'est Fantasio qui... Ça va, je te dérange pas, hein. Qui a été touché? Moi. Non. Touché. Pardon, c'est... Après moi, j'ai mis un été lenteur. Alors, où vous cachez-vous? Monsieur, ouais, monsieur Antoine, ouais. De toute façon, vous allez devoir descendre, hein. Non, je suis très bien ici, hein. Ah, mais moi, je peux monter, hein, si vous voulez. Non mais allez attaquer plutôt Fantasio, moi je suis un peu trop... Ouais, je pense avoir oublié Fantasio. Ah oui. Ah ouais. Du fait que vous voyez le pseudo, c'est ça? Cours. Monsieur Fantasio, un peu fier. Non. Oh. Putain, mais je fais à chaque fois. Où est-il? Mais... Ah, le coup. Dieu. Courez. Oh. Allez. Non, tu peux pas. Mais il peut le voir. Salut! Non, mais. Mmh. Et quoi? Comment ça? C'est qui? C'est moi, je t'ai touché. Ah, tu m'as touché? Oui. Mais pourquoi je peux pas sauter? C'est vraiment énervant. Fini! J'ai failli me faire toucher. Donc. Ce qui fait qu'il y a. Un point pour moi. Et pour. Fantasio. Fantasio. Donc ça fait 2 points pour moi et 1 point pour vous deux, c'est ça? Ouais. C'est énervant parce que je peux pas courir et sauter en même temps, du coup à chaque fois qu'il y a un bloc, je vais m'arrêter de courir. Ok, bah dernière partie. Et top. C'est bon, tu peux venir nous chercher. Monsieur Fantasio, je... En vrai, c'est le plus smart, c'est de se mettre en hauteur. Oh, mais elle est complètement pourrie. Pourquoi on peut pas la tirer en hauteur comme ça? Tu peux monter depuis les fougères. Oh, oh le méchant. T'as vu, je suis très méchant. Moi, je suis bien la pépouse. Vous êtes où? Ah, ils vont arriver de là. Je vous vois arriver. Ah. C'est fini. Oui. Bonjour. Non, mais j'ai loupé. Ah. J'ai entendu quelqu'un avec une potion. Attendez, il y a quelqu'un devant vous.
Je m'en fous, c'est vous que je veux. Monsieur Fantasio, descendez de l'endroit où vous êtes. Répète, petit mon petit bonhomme. Mon petit bonhomme. Moi, je réponds. Oh, qu'est-ce qu'il est, Antoine? Encore une fois. C'est fou. Bouah, j'ai boudi. Boudi. J'ai vu quelqu'un que j'avais pas trop envie de voir. Ah. Ah, bah nous nous retrouvons enfin. Écoutez. Fantasme, on fait une alliance. Mais c'est interdit ça. Mais. Rien n'est interdit. Ah, c'est toi le loup en fait. Ouais. Oui. Fantasme. Ah, je n'avais pas compris. Je suis désolé. Oui, j'entends des zombies. Et qui est loup là? J'ai pas trop suivi. Ben moi, mais pourquoi t'es sur la muraille? Non? Non. Attaquez-vous un peu avantageux, s'il vous plaît. Tout en bas. Ah, c'est fini. C'est fini. Mais on a tous. On a tous deux. Deux. Quel est le prochain jeu? Le prochain jeu sera. La course de bateau. Ah. Un classique. Donc, je vais vous présenter les règles de la course de bateau. D'abord, la course de bateau se déroulera en 3 manches de 1 tour chacune. Donc nous aurons 3 participants. Et donc le but d'une course de bateau, c'est tout simplement on est sur un bateau et c'est de finir la course. Voilà. Moi, je partirais plutôt sur celui-ci. Monsieur Fantasio, voulez-vous bien choisir votre bateau? Moi, je préfère celui en orange. En orange, ok. Enfin, moi, je prends le classique. Le classique en chaîne. Faut pas que ça dépasse la ligne, monsieur. Hein. Et toi, alors, tu fais mieux, hein? Bah, il dépasse pas la ligne. Hein. Merde. Ok, mais... préparez-vous pour le décompte. Il pousse mon bateau. Monsieur Fantasio, vous allez avoir, vous savez que vous risquez d'avoir une pénalité de 10 secondes. Ok, moi je suis prêt. 3, 2, 1. Non. Ah, c'est bon. Ouais. Mais mon bateau part. Qu'est-ce qu'il fait mon bateau? Oh mon dieu. Mais maintenant, monsieur Fantasio, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'empêchez d'avancer. Je ne fais rien. Oui. Non, mais... Hey, monsieur Fantasio. Ouais. Et deuxième pour monsieur Eva. GG. Il y a un petit accrochage à un moment. Ma Formule 1 est allée dans la Formule 1 de monsieur Fantasio. Trois, deux, un. Ah non.
GG. Donc ça fait 3-3-0. 3, 2, 1. Oh, oh attends, je suis un monstre. Je suis un monstre. Ah non. Ouais. Donc ça fait pour cette épreuve. Ça fait mal pour moi. Oui, malheureusement pour vous ça fait très mal parce que j'obtiens. Aïe. Masse. Non mais monsieur là, le monsieur le joueur. N'est pas autorisé à rentrer ici. Et malheureusement Fantasio 0 points pour cette épreuve. On peut y aller. Et on va faire. L'épreuve de la ferme. L'épreuve de la ferme est simple. Chaque personne possède un camp. Au milieu, il y a plein d'animaux. Et chaque personne a un baril avec un blé et une graine de blé. Ils vont devoir attirer les animaux dans leur camp. Pendant 2 minutes, le portillon sera ouvert. Impossible de le fermer. Bien évidemment, on peut venir récupérer les animaux dans les camps adverses. On ouvre les portillons. Mais pourquoi ils sont pas là? Ils sont zéro. Allez, venez, venez. Allez, venez s'il vous plaît. Mais quoi? Voilà, c'est bien. C'est bien. Venez. Allez, venez, venez. Il a le monopole. Non, non, venez, venez. Allez, c'est venez, venez. Ils sont vraiment chiants. Allez, venez. Venez, vous, là. Allez, les vaches. Voilà, c'est bien. Allez, 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 allez. Mais... Venez en voler, monsieur. J'ai rien. J'ai zéro. En fait, c'est Fantasio qui a le monopole des poules. Oh. Mais viens. Merci. Non, monsieur. J'ai rien parce qu'ils veulent pas rentrer, mes trucs. Ou tu les pousses un peu. Bah oui, mais j'ai rien, y'a plus personne. Et comme vous allez squatter vos trucs pour gagner vos points, mais j'ai rien. Donc voilà, un point pour. Deux points pour Revor, un point pour. Zéro et zéro point pour moi. On ouvre toutes les trappes et c'est parti. Mais... Je suis attiré par une marée de vaches. Mais c'est pas possible. Par contre, je trouve que c'est pas normal qu'il y ait tous les vaches et tout ça qui viennent vers moi. Quand c'est ceux qui viennent vers moi, ils peuvent vers d'autres joueurs. Parce que t'as un blé peut-être dans ta main. Ouais, mais vous avez aussi un blé dans votre main. Parce que c'est toi qui l'as tiré. Ah, Fantasio vol. Mais va t'occuper. On s'en fout des moutons, des poules, on veut les moutons. Mais pourquoi c'est moi qui les subis à chaque fois? Parce que lui, il est focus dans son truc. Il faut pas l'arrêter en fait. Je sais, mais moi, avec une graine. Regarde, tu vois, lui, il peut rien faire puisqu'il, comme il a une graine dans sa main. J'ai pas de graines dans la main. Non, mais t'as pas le droit de pousser les animaux normalement. Si, si. Ah, ben. Si, on peut les pousser. Tout à fait. Moi, je pense que c'est bon. Là, voilà, on pousse, et on récupère petit à petit. On récupère du territoire. On récupère du territoire, on récupère. Mais pourquoi sur nous? Pourquoi? Mais on va perdre. Non, focus. On va gagner plein. Focus Mathéo. Déjà qui. Focus Mathéo.
qui est hyper fort au jeu. Mais voilà, c'est ça. Partez avec quelqu'un d'autre que lui. Ah, oh, c'est un enfer. Fini. Venez. Midi. Ah, ça m'énerve. Tu me voles mes animaux, je vais voler les tiens. Arrête. Non. Mais volez-vous entre eux ? Pourquoi c'est toujours sur moi que vous voulez ? Mais, oh, vous êtes vraiment dégueulasse. Allez, venez. Voilà, ça c'est bien. Méchant. C'est vous, monsieur, qui êtes méchant, vous voulez mes amis. Mais non, je. Vous attaquez que moi. Vous attaquez pas entre eux, vous avez fait une alliance ou c'est parce que comment. Et. Voilà, mais j'ai plus rien à chaque fois, mais c'est pas possible quoi, vous. Qu'est-ce que vous faites quoi? Prochain jeu. Donc la cible. On a ici des enderpearls et on a une cible juste là-bas. Plus on se rapproche en visant avec une enderpearl, plus on a de points. On fait 2 tours par manche et on fait 3 manches. Qui commence ? Bien commencer, mais comme je suis très impoli, je dirais honneur à revoir. Pourquoi toujours honneur à moi ? C'est pas forcément moi. Bon, allez, j'y vais. Après, je peux le faire. Si vous voulez, ça dépend. Vas-y, Antoine. Ah. Au revoir. Ah. Salut. Bleu. Prenez des panneaux et vous. Là où vous atterrissez, vous mettez le panneau. Ok. Fantasio, c'est vous qui y allez ou c'est moi? Et vous mettez. Bon, genre... si vous voulez y aller. Ouais. Non. Je vais essayer de viser parfaitement. Rouge. Boum. Blanc. En vrai, c'est la limite. Hein. Non, mais tu dois mettre un panneau avec ton. Ton initial de pseudo. Donc un F. Ah, je suis... Ok, c'est à moi. Bleu. Donc, je suis premier, Revor deuxième et Fantasio troisième. On enlève les panneaux. Et on recommence. Où je suis deuxième? Oui. Ah. Okay. Ah oui, j'ai visé un peu trop loin. Ça va dans le centre. Pas du tout. Deuxième. C'est quoi qui est quand même de bien viser? Oh,
J'étais pas loin du rouge. Alors. Mais. Oh, mais. J'ai failli me pousser dans le vide. Ah, bon. Rouge. Là, c'est plus serré. Ouais, rouge, je pense ça c'est... vaut combien ? 4 points. Donc j'ai 4. Ouais, donc je pense que c'est moi qui suis dernier. Plus 2, 6. F. Donc moi j'ai. C'est bleu. 1, 6. 3. 3, 4. F. Ah, attendez, putain, 3, 3 plus. Ah, ouais, 3 plus 1. Ok, 3 plus. Quoi ? T'as 4 ? Ouais. Vous avez égalité. Vous avez 1 point chacun. J'espère qu'au moins une fois je vais réussir à aller sur le jaune. Ouais, c'est compliqué. Hein. Je pense que c'est. Pas terrible. Pas terrible. Noir, je crois. Ouais. En vrai, c'est compliqué, mais c'est très compliqué. Oh! Presque. Tu peux y aller? Vas-y, vas-y. Bleu. Ah, super, mais ça va. Et bien, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et dites-nous en commentaire quel mini-jeu vous voulez qu'on fasse.